you? Salut tout le monde, c'est Jake. Voici une petite vidéo bilan de l'aventure Regard dans le rétro sur Pokémon bleu, rouge, jaune et vert Japon. Donc l'aventure de la première génération de Pokémon qui a commencé en mars dernier, qu'on a terminé en juin. Avant toute chose, il était prévu qu'on fasse une vidéo bilan tous ensemble, donc Ralga, Yakipon, Toren et moi-même. Mais il y a eu des vacances et des soucis de dispo, donc les vacances quoi. Donc avec les semaines qui passent, eh bien, on a failli oublier ce bilan. Alors pour ne pas sortir la vidéo bilan en septembre et donc sur la nouvelle saison qu'on prépare, je suis donc seul pour ce bilan, sans caméra, et je vais essayer de vous résumer au mieux tout ça. Donc, pour rappel, cette aventure Regard dans le rétro sur Pokémon rouge, bleu, jaune et vert Japon, c'était un défi entre Yakipon, Ralga, Toren et moi-même. Yakipon était sur Pokémon bleu, Ralga sur Pokémon rouge, Toren sur la version vert Japon, car au Japon c'était rouge et vert, et moi-même donc j'étais sur Pokémon rouge. L'idée du défi c'était plus une course en fait, c'était de battre la Ligue Pokémon en premier, le timer final faisant foi dans le Hall of Fame après avoir battu le rival à la fin. Donc les règles étaient simples, c'était rusher le jeu pour venir à bout, et pas Aladdin, lol, à venir à bout du rival à la fin de la Ligue Pokémon. On pouvait avoir les Pokémon qu'on voulait pour les combats, y compris les légendaires, mais il était imposé de garder le starter jusqu'à la fin. Donc c'était l'aventure était assez fun, assez nostalgique aussi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans chacune des quatre aventures, mais c'est Toren qui a eu le plus de soucis que nous autres, en effet. Il a dû abandonner l'aventure après seulement 8 épisodes, dû à un bug du jeu causé par un chétiflore sauvage. Je le rappelle, pour filmer correctement une aventure old school sur une vieille console, on passe par un émulateur. Mais on possède bien les cartouches de jeu en physique, sauf la VR Japon, ainsi que la console qui est à côté de moi d'ailleurs à l'instant où je vous parle. Donc Toren a eu des soucis, c'était l'émulateur vers Japon qui était à peu près traduit, et ben, ça a fait crash, et ça a corrompu la sauvegarde, il n'a pas pu relancer sa sauvegarde. Donc au lieu de tout recommencer, et ben, il a abandonné, tout de manière c'est une course, donc bon, ben, c'est les aléas. Oui, par rapport à cartouche physique également, certains d'entre nous possèdent des versions virtuelles des jeux, donc Pokémon rouge, vert et jaune, via le Nintendo eShop de la 3DS, car le Nintendo eShop propose aussi des jeux virtuels rétro compatibles avec les 3DS, New 3DS. Voilà. Pour en venir au sujet de base, donc l'aventure Pokémon rouge, bleu et jaune est vers Japon. Donc Toren, je viens d'en parler, son timer s'est donc arrêté avec le bug du jeu et son abandon. Il avait Salamèche en starter. Pour ma part, j'ai fini 3ème et donc avant-dernier sur Pokémon rouge. J'avais Carapuce en starter et mon temps final est de 14h48. Alors, il faut savoir qu'on a tourné quand même des épisodes en avance et qu'on se tenait informé, nous, en interne, de nos scores et de nos timers pour voir comment on avance. Donc au moment j'ai compris que j'étais totalement largué, donc j'ai juste pris mon temps parce que je savais que de toute façon je ne pouvais pas rattraper ce retard. Voilà. Yakipon donc était sur Pokémon bleu, son starter était un Bulbizarre, il a fini deuxième avec un temps de 9h24. Quant à Ralga, donc il a fini premier sur Pokémon jaune avec son Pikachu pas très très utile, et son temps final est de 8h01. Il remporte donc le défi Pokémon. Je vous mets le tableau des timers petit à petit, donc en fonction des badges et du temps final. Donc c'est comme ça qu'on se tenait au courant avec un Google Doc. Donc je vous l'affiche. Donc Ralga remporte le défi Pokémon. Et si vous vous souvenez, donc quand on a fait l'annonce de cette aventure, de ce défi, donc on était tous les quatre face caméra, j'avais dit donc que le vainqueur aurait un cadeau. Donc entre temps Ralga a bien sûr reçu son cadeau, ça fait un petit moment déjà, il a reçu donc le livre Génération Pokémon 20 ans d'évolution, vu que en fait on a fait cette aventure là pour fêter les 20 ans de Pokémon. Voilà, donc bravo à Ralga, et merci à Yakipon et Toren également d'avoir tenté cette aventure à mes côtés. Je vous laisse donc avec le combat final de Ralga à l'écran.
Je vous annonce, oui, allez, si, je l'annonce, que durant cette nouvelle saison qui arrive, on fera une autre aventure Pokémon, un autre défi. Ce sera donc sur or, argent et cristal. Et il y aura du nouveau. Voilà, on vous en reparlera au moment venu dans quelques mois. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Belle fin d'été à toutes et à tous. Voici donc le combat final de Ralga. Continuez à nous suivre sur Facebook et sur notre site ivasandstudio.com. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube car des nouveautés arrivent à la rentrée. Des bisous tout le monde. J'ai gardé Articoda en premier. Oui, normalement son premier Pokémon, ça doit être un Sablerou. Donc Pokémon sol, donc faible, à la glace. My. Hop, Sablerou, en effet, c'est bien ça. Hop, laser glace. Bon, one shot du Sablerou, ça c'est fait, plus que 5. Le suivant c'est quoi? Non, je vais pas prendre hâte. Hop, Alakazam. Oh, ça va être galère ça. Oh là, ça va être un ouf. Oh là, c'est pas bon ça. Pas gentil, gentil ça. Bon, je peux m'envoler. C'est bon. Bon, soin. Ok. Comme les Pokémon Psy de Morgane à Safrania, ils sont très faibles aux attaques physiques. Donc, vol fait assez mal. Comme Psycho d'ailleurs. Oh purée, Psycho critique. Bon, c'est pas exactement ce que j'espérais. Mon flex avec son pool de PV devrait le tanker. Le temps que je reste Articodin, puisque j'en aurai besoin pour plus tard. Voilà. Wow. Ah d'accord. Ok. Oh là. Bon. Oh purée, mais j'ai pas la priorité. Est-ce que je vais le tenir? Bon bah non. Il m'a fait deux psychocritiques d'affilée. Bon. Ne paniquons pas, tout se passe exactement comme prévu. Hop, vas-y. Tout se passe exactement comme prévu. Mon réplincelle va mourir encore. Hein. Bon. Purée, troisième psychocritique. Non mais, mec, arrête. Hein. Bon, rappel. Articodin. Rafael Psy. Normalement, ça fait moins de dégâts que Psycho. Rafael Psy critique. Mais c'est abusé. Faudrait calculer les stats, mais c'est quand même grave abusé. Bon. Non mais non, pas soin. Oh purée. On vole. Non. Bon. Bon, à l'usure, je vais l'avoir. J'espère. Bon, voilà. Alakazam est mort, j'ai perdu 3 ou 4 Pokémon. Tout va bien.
Bon, noix de coco, un plantepsy, donc faible à la glace à cause de son type plante. Allez. Ah, je l'ai pas tué. Oh, purée. Mais arrêtez de me mettre des critiques, bordel. Ouf, bon. J'en ai fait 3. Il me reste 3, il me reste Crustabri. Crustabri que j'ai déjà affronté au début de la ligue avec Olga. Il faudra que j'utilise la même strat, c'est-à-dire toxique. Mais avant, je vais sacrifier Pikachu. Obligé. Bon, ben voilà. Pour que remonter la ville d'Articodin. Donc il me reste maintenant que 2 Pokémon viables et 3 Pokémon à affronter. Non, non, ne rate pas. Oh purée. Ah, je vais. Du coup, il m'a fait Claquoire, donc je vais en profiter. Donc Claquoire est une attaque du même genre que Ligotage et compagnie qui m'empêche d'attaquer. Ligotage. Je sais plus, enfin. Les attaques d'abo, de sac de nœuds. Donc comme je peux pas attaquer, autant que j'utilise mes tours pour raise, parce que ça je peux le faire. Puis Claquoire me fait pas énormément de dégâts, donc je peux le tanker. Moi ça me va. Par contre on sait jamais quand est-ce que Claquoire se termine. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut réattaquer derrière. Voilà, attaque encore, donc je pouvais pas encore attaquer. Hop. Purée, mais il veut pas que je passe toxique. Oula, Pikachu. Oh. Bon, ça, ça passe. Bon, le toxique passe. Enfin, au troisième coup. Bon, maintenant, il faut que je tanque. Hop. Trois coups. 4 coups, 5 coups, bon, mon premier tic de poison, bon bah un potion max sur Articodin, pas bien, pas trop le choix, hop, Picanon encore, bon celle-là je la tiens, peu importe le nombre de fois où il m'attaque, 2 fois c'est encore mieux. Hop. Bah vol. Voilà, 2 tours de poison. Hop. 1. Ah bah Claquoire. Bah ok, fais Claquoire si tu veux. De toute façon, tu vas mourir du poison au prochain tour ou au suivant. Utiliser une potion. Hein. De toute façon, je peux pas attaquer et il va mourir au prochain tour. Hop. Hop. Voilà. Bon, finalement, ça s'est mieux goupillé que ça aurait pu grâce au Claquoire de Crustabri. Fenard. Alors là aussi, il va y aller, falloir y aller au poison. En effet, oui, ça échoue, oui. En fait, je suis faible aux attaques de type feu. Hop. Oh. Est-ce que je tank? Il me semble que comme... oui, je suis immobilisé, en effet, je peux pas attaquer. Bon, bah, potion, hein. Voilà. Voilà, ça attaque sur plusieurs tours, comme du coup Claquoire, Ligotage et tout ça. Hop, sauf que pendant ce temps-là, il y a le poison qui commence à faire effet. Hop. Hop. Est-ce que je peux... Oui, ça échoue.
et vol, donc deux types de poison, plus les dégâts de vol. Voilà. C'est bon, il est mort. En vol critique en plus. Bon. Bon. C'est pas tout ça. Il me reste un seul Pokémon. Ce serait pas le moment de faire de la merde. Sachant que les attaques électriques vont me faire très très mal. Mais Fatal Foudre Chou, oui. Hop. Parce que là, mon type Vol Glace me rend extrêmement sensible aux attaques foudre. Et Fatal Foudre qui échoue une deuxième fois, oui. Je dis oui. Troisième Fatal Foudre, sachant qu'il n'y en a que 5. Je dis oui. Je dis oui. Cage éclair, je m'en fiche, ça me paralyse, mais je m'en fiche. Hop, poison. Les arglaces sont pas très efficaces. Oh bah ça le tue quand même. Bon. Non. Voilà, j'ai battu le rival, j'ai battu la ligue, c'est donc terminé. Enfin. Donc, notre petit concours est désormais terminé pour moi. Je ne sais pas les temps des autres, donc je ne peux pas m'avancer sur la victoire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais bien placé jusque-là, mais je ne sais pas les temps. Donc, on verra pour les temps que feront les autres. Donc, toujours est-il que j'ai fini. J'ai fini. Donc, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, j'ai traité mes Pokémon avec amour. Blablabla, blablabla. Bla bla. Je ne dois pas entièrement à tes qualités. Tu as tant baigné d'amour tes chers petits Pokémon. Blablabla, blablabla. Bla bla. Et donc, nous avons maintenant le Hall of Fame. Donc, ce dont je parlais au début de la vidéo. Allez, lance-toi le Hall of Fame. Donc Articodin qui a fait quand même pas mal du boulot. Le type glace est vraiment très efficace. Pikachu qui est toujours là malgré son level 19. J'ai été roleplay, j'ai gardé Pikachu jusqu'au bout. C'était pas forcément volontaire. Reptincelle qui finalement n'a même pas évolué en Dracaufeu alors que je voulais le faire évoluer en Dracaufeu. Ronflex qui m'a servi de tank pour raise les autres. En fait. Trio Picker qui est mort deux fois, je crois, et qui n'a jamais attaqué. Et Spectrum qui est l'autre Pokémon avec Articodin qui a été le plus utile. Donc voilà, donc maintenant nous allons avoir le temps final qui est de 8h et 1 minute. Même pas 8h pile quoi, c'est décevant. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est fini pour moi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes camarades s'ils n'ont pas fini eux. Puis partagez cette vidéo si elle vous a plu, tout ça évidemment. Suivez Vassound sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description. Et puis à la prochaine. Ciao !